La parole est à présent à monsieur Julien Indyff pour le groupe Droite Républicaine. Merci madame la présidente. Aimez-nous, on fera le reste. C'est le message qu'un agriculteur m'a confié hier sur l'un des nombreux feux de la colère, lieu de leur mobilisation. L'amour ne se prouve pas par des mots, mais par des actes. Il demande de la confiance, et le reste, c'est nous nourrir. Le chemin qui a mené à cette colère est long, jalonné de choix qui ont manqué de cohérence et de courage. Madame la ministre de l'Agriculture, les conséquences des blocages hérités de décisions, et de non-décisions d'ailleurs, accumulées au fil des années, reposent aujourd'hui sur vos épaules. Des réformes sans vision, des choix réglementaires punitifs et des entraves administratives qui paralysent notre agriculture française. Il est vrai que le problème est conjoncturel et nous saluons les aides sur la trésorerie, la réduction des contrôles et les vaccins sur les élevages que vous avez annoncés. Mais le mal est aussi structurel et étouffe la compétitivité agricole nationale. Nous proposons d'abattre ce mur d'entrave et de bâtir une transformation de fond, garantir un revenu décent, repenser la loi Egalim et assurer que le prix payé en fonds de rayon soit respecté jusqu'à la ferme. Avec une transparence totale dans la chaîne de valeur, que chaque acteur assume ses responsabilités pour que nos paysans puissent enfin tirer un revenu digne de leur travail. Et puis, il y a cette ultime provocation, le Mercosur. Nos exploitants sont déjà écrasés par une avalanche de contraintes, des normes phytosanitaires strictes qui interdisent certains produits chez nous, mais les tolèrent pour des importations concurrentes. Ce traité menace de submerger nos filières agricoles avec des produits étrangers qui ne respectent ni nos standards, ni nos exigences de qualité. C'est une menace écologique, sanitaire et économique. Instaurons un rapport de force avec Bruxelles. Un veto clair sur cet accord est nécessaire. Soyons prêts à imposer des conditions fermes. Nous, les 47 députés de la droite républicaine, avons sollicité le gouvernement, au nom de l'article 50-1 de la Constitution, un débat suivi d'un vote au Parlement français sur ce traité. Êtes-vous prête à respecter ce vote et à engager un véritable bras de fer avec la Commission européenne pour défendre notre souveraineté alimentaire ? Merci beaucoup. La parole est à madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Div, merci pour cette question qui est d'actualité plus que jamais avec la crise agricole qui frappe nos paysans, une crise terrible pour certains territoires, crise climatique, crise météorologique, crise sanitaire, crise de sens aussi. Et au fond, vous m'interrogez sur le sentiment d'urgence dans laquelle se trouve cette profession pourtant si essentielle à notre pays. Alors, je voudrais vous dire que depuis que je suis arrivée, 55 jours, je me suis efforcée d'agir vite. Vous évoquez les prêts de trésorerie. C'est à la demande des agriculteurs que j'ai mis en place deux types de soutien à la trésorerie, parce que les trésoreries aujourd'hui sont exsangues, c'est vrai, dans certaines productions et dans certains territoires. Deux types d'aides, un prêt conjoncturel à court terme, à un taux réduit par l'intervention de l'État et aussi avec le soutien des banques, et qui répond à un besoin du moment. Et puis, il y a des exploitations agricoles qui souffrent de façon plus structurelle, qui ont besoin d'un autre type d'aide sur une douzaine d'années, et un prêt qui soit celui-là garanti par l'État pendant 12 ans et à 70%. Donc ces deux types d'aides sont, je crois, importants pour pouvoir répondre à la demande de nos exploitants agricoles. Mais vous avez raison, il faut leur donner des perspectives. Et de ce point de vue, le Mercosur est une fermeture de l'avenir pour eux parce qu'il s'en prend frontalement à nos producteurs de bœuf, de volaille, de sucre. Et avec le Premier ministre, nous sommes résolus à nous battre avec la plus grande énergie. Et de ce point de vue, je vous remercie. Avec votre groupe, vous avez souhaité que s'instaure un débat. Merci, il sera madame. Fructueux et croyez bien que nous serons très, très mobilisés sur cette question. Merci, madame la ministre. Et je vous indique à cet égard que le débat qui initialement avait été fixé au mardi 10 décembre a été avancé. Il aura lieu le 26 novembre après la séance des questions au gouvernement en accord avec le gouvernement. Alors.